Et yo tout le monde, c'est Max GNS, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur Crash Team Racing, précisément CTR. Donc c'est parti, je vais le lancer avec un petit plaisir. Donc je vais pouvoir faire un petit gameplay. Donc le petit gameplay se consiste en aventure. Donc pour moi, ben, je vais faire un petit gameplay. Et j'espère que ça va vous plaire. Après, si ça vous plaît vraiment pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas que CTR Crash Bandicoot, CTR Crash Team Racing, c'est à dire qu'il y aura d'autres gameplays sur d'autres jeux, bien sûr. Je vous propose plein. Plein de jeux PlayStation 1 à découvrir avec moi. J'espère que les vidéos vont vous plaire, les petits gameplays que je vous ferai. Et puis aussi, donc on est le 20 septembre et donc je commence à peine, c'est vrai. Les gameplays. Donc vous inquiétez pas, hein. De toute façon, on a tout le temps. Je suis vraiment désolé pour ceux qui savent pas ce jeu et en anglais. Donc bah, écoutez, je vous présente donc la première map, parce qu'en fait avant qu'on commence, je vais tout vous expliquer. Là on est la map la map où il y a le boss Reaper Room. Donc Reaper Room, c'est le boss qu'on va devoir battre. Donc en bas, vous avez la carte du jeu. Donc vous pouvez la voir. Donc les points bleus qui est en train de faire des lumières spéciales, c'est des lumières bleues. Là, c'est les mondes que je peux déjà commencer. Par contre, pour ceux qui sont les points gris, on peut pas commencer. Voilà, et pour le point vert, c'est pour sauvegarder effectivement la partie. Donc c'est parti, on va faire gameplay, on va faire la première course et j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, ça me fera extrêmement plaisir. Et en plus de cela, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis je vous dis bonne vidéo à tous. Allez, c'est parti, poto. On est là, cette course pour gagner ce trophée. Go. Alors moi j'ai pris Neo Cortex pour faire ce gameplay. Go. C'est parti. Hop là. Oh là là, il a morflé. J'ai envoyé en fait c'est un peu comme Mario Kart, mais en fait si vous préférez Crash, ils ont recopié un peu Mario Kart et franchement c'était un jeu vraiment classique, ce jeu, c'était vraiment un jeu classique et franchement ça me fait super plaisir de rejouer, puisque en fait je vous ai pas tout dit, je rejoue ce jeu 15 ans, non, 13 ans après, parce qu'en fait je l'avais sur PlayStation 1, parce que j'ai toutes les PlayStation, la PlayStation 1, 2, 3 et 4, et donc j'avais CTR Crash Team Racing, donc il est réglé maintenant. Et avant, je te le finissais en une heure, quoi. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment. Hop, petit TNT, donc ça en fait ce qui roule sur la TNT, ben, en fait ça va se déposer sur le joueur et en fait ça va faire genre un compte à rebours et avant que ça explose et après ben, ça explosera et perdez un peu plus de temps dans la course. Et c'est balèze pour Crash et balèze pour moi parce que je me suis reçu une bombe effectivement.
Alors là, c'est vrai que franchement, celui-là, c'est pas. Non, un peu plus. Voilà, la fusée, elle est passée juste derrière moi. Par contre, au fait, hop. Juste en précisant, si je passe que je ferai du Dokkan Battle aussi. Donc Dragon Ball, c'est un jeu Dokkan Battle qui ne vient pas de sortir effectivement. Parce que je me suis. Comment vous dire, je me suis trompé. Le jeu il est sorti il y a à peu près 83 ans. Sur Apple Store, vous pouvez l'avoir. Et sur Play Store, vous pouvez l'avoir. Moi, je suis actuellement sur Play Store parce que figurez-vous que j'avais un code Dokkan Battle et que tout simplement Dokkan Battle j'ai perdu donc, en fait, mon téléphone était pété quoi. L'écran, il faudra que je le change. Hop, putain, je préfère passer par là parce que sauter. Et donc, en fait, j'avais pas le code de mon ancien compte, donc j'étais oublié, donc je l'avais perdu. Et je suis en train de monter mon compte, donc là je suis au niveau 87. Et si vous voulez m'ajouter sur Dokkan Battle, si peut-être vous m'avez trouvé pour les joueurs qui jouent à Dokkan Battle, je sais pas si sur ma chaîne. Il y en a qui jouent à Dokkan Battle. Moi c'est Max GNL, vous me trouvez facilement quoi. C'est facile. Et donc après là j'ai des personnages mais vraiment monstrueux. Assez monstrueux parce que figurez-vous que je suis en train de monter effectivement un 5 Goku Super Saiyan Divin SS. Franchement c'est énorme. Voilà, j'ai fini premier. Et donc en fait, dans ce jeu, ce que j'aimais bien, que c'était plaisant, c'était bah c'est vrai que des fois le chargement il était long, mais là franchement là franchement ça va. Allez, c'est bon. Ok, go, c'est pas le pied, les potes. Et donc à chaque fois, c'est pas à chaque fois, mais à chaque fois, ce putain de masque va venir me faire chier dans mes gameplays. Donc ce gameplay consistera à 32 minutes environ, dans les 32 minutes, je fais un petit gameplay, j'espère que le gameplay, même 20 minutes, allez, j'espère que le gameplay vous plaira. Et si franchement, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de... j'aime, s'il y a beaucoup de commentaires qui sont positifs, peut-être que je vous referai un petit gameplay encore sur Crash Film Racing. Donc en fait cet écran de chargement c'est pour sauvegarder la partie. Par contre ces deux portes, donc comment vous explique le masque, donc pour accéder à ces portes il faut maximum deux clés de boss. De toute façon il y a deux serrures, donc deux clés de boss. Donc le boss, en fait le voici, c'est son garage, c'est Reaper Root Challenge. En fait c'est à dire qu'il lancera un défi de vous combattre dans une. Et je pense que ça serait bien de faire quand même un gameplay avec un boss pour vous montrer à quoi c'est. Et je pense que je vais faire ce gameplay avec le boss. Vous savez quoi, pour vous faire plaisir, parce que c'est vrai que j'aimerais bien vous faire plaisir quoi. J'aimerais bien. Et je vais vous faire plaisir.
je vais vous faire plaisir. C'est parti plutôt et je vais vous montrer le boss. Au moins le premier, parce qu'il y en a 5 de boss. Et c'est vrai que... Go. Alors par contre, moi j'ai pris Cortex comme ça, j'étais tranquille. En fait, c'est vrai que j'aime pas trop ce personnage. Moi, mon préféré quand j'étais petit, c'était l'ours. Là, le petit ours là. Et Pura, donc le tigre là, je sais pas comment vous expliquer. Le tigre et l'ours, c'est Polar. Voilà. Polar, c'est l'ours et il y a. Là-dedans, tous. Il y a Dr. Engine, il y a Coco Bandicoot, il y a Crash Bandicoot, il y a aussi Pura, Cortex, Dingo Jill, Tiny Tiger et aussi Neo Cortex. Donc Neo Cortex c'est le méchant. Ouais. Effectivement c'est d'abord dit. Je dis ça comme ça, c'est la barbe. Ah, moi ça me fait passer à un Mario Kart. Vous savez là, les tremblés. Avec les vitesses, passer en fait une grosse accélération sur les espèces de tremblés comme ça. Ah, ça m'a tout le temps fasciné. Je me suis dit, putain, comment ils font pour faire quand même les accélérations. Alors par contre là je me suis avoué à avoir pas mal parce que je me suis fait moi-même exploser la tête. Merci Polar, il m'a poussé effectivement. Par contre c'est vrai que dans cette ère de jeu, c'est vrai qu'on retrouve quand même un peu dynamique. Voilà. C'est vrai que le jeu il a assez. Moi pour moi c'est un des jeux que j'ai tout le temps envie de jouer. J'ai fini combien de fois ce jeu? Je l'ai fini, sans vous mentir, je l'ai fini 20 fois ou plus. Parce que franchement, ça m'a tout le temps plu de jouer à ce jeu. Franchement, je m'en lasse pas. Voilà, je m'en lasse pas Voilà, c'est pas de ce jeu. Pour moi c'est l'un des plus grands classiques de la PlayStation pour moi. Donc c'est à dire que si, parce que là ils vont refaire une PlayStation 1 classique mini, donc à ce qui paraît on peut rajouter des jeux, donc elle sera à 100€ et on peut rajouter des jeux. Et c'est vrai que franchement ils ont même pas mis en fait les jeux téléchargés dessus. Ils ont même pas mis. Voilà, j'ai sauté pour pas parce que je ne fais pas trop avoir par rapport à cette putain de potion verte. En fait, ils ont même pas mis Crash Team Racing. Donc, c'est-à-dire que si je dois l'acheter, ben, je vais devoir mettre le ROM, un ROM sur la console. Donc, franchement, c'est assez con quand même. Bah, c'est bien. Quand même. C'est vrai que quand même j'étais un bon pilote. Quand j'étais petit j'étais un bon pilote. À ce jeu c'était vraiment de la bombe. C'est vrai que en 1999 il est sorti. Moi je suis né en 2001 donc à peu près après sa sortie franchement. J'ai joué sans vous mentir, j'ai joué. À l'âge de 1435 ans à Crash Team Racing. Donc, c'était pas facile des fois parce que je perdais. Alors ça c'est quand même un super truc parce qu'en fait vous avez le masque et vous pouvez hop envoyer en l'air vos ennemis et en plus de cela ça vous fait rouler vite en fait. Peut-être même les TNT je peux. Là j'ai pu, mais en tout cas j'ai rattrapé et j'ai repris ma place. J'ai repris ma petite place. Et par contre, les courses, donc les stages,
c'est-à-dire plusieurs levels. C'est vrai que ça combien d'heures à peu près 3 à 4 minutes le faire. Même 2 minutes. 3 à 4. Maximum 4. Le minimum, je dirais 2 ou 3. Voilà. Je veux pas vous mentir. Parce que c'est bon. C'est vrai que ces décors, moi, ça m'a tout à plu. J'adore les décors. C'est bien. Ah, ça m'a tout à plu. C'est trop bien fait, la lave. Les totems, tu vois, incrustés dans la pierre. C'est énorme. Allez, là je suis loin de... Ah, c'est vrai que sur les tortues, si vous lâchez par exemple vos TNT ou quoi, vous pouvez faire la même connerie que moi en fait. Allez poteau. Allez, j'ai terminé 7. Cette course. Et c'est vrai que franchement, les gameplays, ça durera longtemps. Ça durera à peu près 30 minutes. Alors voilà, à chaque fois en fait, parce que on est au niveau tout combien niveau, et donc que le masque il est là. Alors par contre je pense ouais vu que vous savez quoi, plus que deux courses à faire et c'est bon, c'est terminé après le gameplay. Après plus que deux courses à faire, le boss, le gameplay est terminé les potos. J'espère que je vous ai fait plaisir hein. Ça y est les potos, c'est parti pour la... Combien de courses on a fait déjà? 3 je crois. Bon. Et donc en fait cette map, ben, ça, c'est la map du boss. Donc, ce qui était bien avant. Pour ceux et celles... demande comment je fais pour eux. En fait je suis sur ordinateur, je vais tout vous expliquer. Donc j'ai pris un émulateur parce qu'en fait pour l'instant j'ai pas de boîte d'acquisition pour filmer sur mon appareil. Je préférais un 9h30. Voilà. Et donc tout simplement
là je suis en train de filmer avec Apple Airsoft pour ceux et celles qui demandent. Et après, si par exemple vous voulez en fait peut-être que je vais essayer de vous mettre le bien. Je sais pas si j'arrive à trouver le bien d'Apple Airsoft et filmer comme moi. Voilà. Et après, c'est facile. Vous avez juste à ajuster l'étirement d'écran. Et puis, c'est parti. C'était beau, les décors quand même ils étaient vraiment avancés et en plus de cela, ouais les boules étaient vraiment ça, c'était vraiment des décors. Je pense que qu'est-ce qui se veut remasteriser, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Parce qu'en fait quand même l'ancienneté un peu plus réaliste, pas réaliste, comment je peux vous dire, un peu plus cartoon. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire, cartoon. Et là par contre là c'est plus cartoon parce que ça sera vraiment de la VR. Voilà c'est ça, on est presque même, c'est à dire moi j'étais même fané quoi de ce jeu. De sortir en 1999, même vous ceux qui sont nés en 2001, 2002, 2003, 2004, là si vous découvrez ce jeu c'est grâce à moi, parce que en fait j'ai découvert par moi seul depuis que j'avais l'âge de mes 4 ans, j'ai découvert ce jeu en 2004. Vous n'avez peut-être pas connu ce jeu, ce qui est vraiment dommage. Moi j'essaye de vous faire découvrir un peu le jeu et j'espère que franchement mes vidéos de ce gameplay ça vous plaît énormément, parce que je me suis cassé la tête et je me suis dit ah pour mes abonnés qu'est-ce que je vais faire comme gameplay, parce que j'ai World of Warcraft, un des plus grands classiques. C'est quoi, c'est carrément 1996, voilà, 1996, 1999, vers là. Donc franchement, c'est un jeu à ne pas oublier quoi, ni Crash Team Racing. Voilà, je vous promets, mais surtout n'oubliez pas Crash Team Racing. Parce que franchement, si je suis là, ting. Je rigole pas. Ah, je rigole. J'adore vous aimer. Allez, j'ai un trophée. Plutôt une course. Après, ça sera contre. Contre le boss. J'ai tout à bien aimé cette musique. Alors attendez, c'est vrai que le masque, c'est vrai que ça commence, donc ça c'est bon. Bon, moi on va couper tout courant avec le masque, parce que c'est vrai qu'il nous saoule. Moi j'en ai vraiment marre de ce masque. Et que là après, une fois que j'ai la clé, je vais voir ce passage. Et ce qui est cool, c'est que ça sera pour le prochain gameplay si jamais. Ça a fait beaucoup de vues, si jamais il y a des likes, beaucoup d'abonnés qui viennent s'abonner et tout. Franchement, bah écoutez,
Bah, je ferai prochain gameplay, ça serait CTR, mais bon. Prochain gameplay, de sûr, ça sera un autre jeu. On passera, mais on pourra tout le temps revenir sur un gameplay surprise, bien sûr, parce que je ne dirais même pas. Là, pour l'instant, j'ai arrêté un peu les lives. Pourquoi? Parce que tout simplement, je voulais faire un peu de gameplay. Au moins, ça change un peu. Au moins, je vous fais plaisir. Et au moins, vous vous attendez pas que je sorte cette vidéo-là. Parce que je vous ai dit début septembre, mais sauf qu'en fait, j'ai vraiment pas trop pensé à le faire début septembre. On laisse la rentrée passer. Je reprenne tranquille et tout parce que moi je voulais faire vraiment. Mais bon, maintenant, j'espère que par contre vous avez passé une bonne rentrée. Parce que ça fait 3 secondes que j'ai passé. Ça bug déjà, ça va faire bientôt un mois. Et quand il sera le. Allez, ça sera le 4 octobre, ça sera un mois si vous avez été à l'école. Franchement. Je joue avec le clavier. J'espère que par contre c'est pour vous que je vous dis la vie. Ah, c'est pour vous, pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un magnifique gameplay et j'espère que franchement il sera bien réalisé ce gameplay. J'espère que vous allez l'apprécier. Je fais tout. Même la miniature, je vais essayer. Vous savez quoi, en fait, je me casse pas trop la tête pour une miniature. Mais quand même, je vais faire un petit peu. Je fais aucun montage pour mon gameplay cette fois-ci. Et puis voilà. Je fais légèrement des petits montages. Mais pas pour les vidéos, mais pour les images, je fais légèrement. Un peu comme j'en ai envie. Voilà, je me suis clairement pas perfectionné. C'est-à-dire que ça n'existe pas la peine. Ici, c'était le monde de je suis dit, c'était le monde de ratatouille. Ouais, j'avais cru qu'il y avait des rats. Ouais, parce que en fait ils te disent le circuit aigu. Le circuit aigu. Alors ça veut dire quoi? Le PQ. Les rats, effectivement. Les rats, les équipements. Voilà. Et même au côté des anguilles, c'est. Ah, j'ai failli me prendre le bidon. Et c'est pas beau ça que j'ai. Non mais là c'est énorme parce qu'en plus je me fais mal avec le clavier mais. Allez, plus que ce dernier circuit, après on passe au boss et après le gameplay est terminé. C'est vrai que franchement j'ai été vraiment un peu sur. Franchement si vous voulez. Putain, dommage que. Là s'ils mettent par contre comme c'est vraiment sur raid. S'ils peuvent mettre encore. Si par exemple ils font remastered sur P4 et qu'ils le mettent cette fois-ci, le jeu en ligne, que, ben, si vous l'avez,
Ça serait très bien comme ça on pourra faire des parties. Ça serait bien comme ça on pourra faire des parties sur tes cartes. Je parle à la naturelle. Après, tout est possible. Parce qu'ils avaient fait même un sondage sur un jeu vidéo Polygon. Ils avaient fait un sondage. Ben, ils ont demandé une charte de 4 comme Crash Team Racing. Alors là, franchement, ben, là j'ai voté directement Crash Team Racing. Pourquoi? Parce que franchement c'est la base. Déjà c'est la base. Après t'as aussi. Ben, c'est un jeu aussi classique. C'est un jeu classique. Mais quand même, n'oublions pas quand même Crash Team Racing. Pour ceux qui n'ont pas connu, ils auront au moins la chance de commander déjà sur ma chaîne. Et déjà, ce serait bien qu'ils auront Mastered. Au moins, ils puissent connaître quand même, bon, pas le goût à l'ancien, mais le goût de savoir que ce jeu est sorti en 1991 et que c'est les graphismes de 2018. Là, ça serait quand même un petit choc. C'est vrai que dire que ce jeu est passé entre nos mains de 1999 jusqu'à l'ours perpète. Et donc voici le boss. Voilà. Par contre, il parle pas trop comme nous. Hein. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que franchement, j'ai tout le temps bien aimé ce personnage. Alors c'est vrai que c'est un peu... comment dire moi j'ai tout le temps dit que c'était un chien complètement taré. Non mais au final, vous savez pas, c'est un chien bleu mais complètement taré. Et en plus, si vous voyez bien, je sais même pas quoi... Il a une patte, juste une patte. Hein. C'est celui qui pose à chaque fois des TNT dans Crash Bandicoot... dans les jeux de PlayStation, là quand vous êtes en boss, voilà, il a une patte, il est en camisole, je sais même pas comment il arrive quand même à conduire. Quand tu es dans la tenue combinaison de camisole pour les fous, ben tout simplement. Alors là, ça va démarrer fort, c'est pas comme les courses précédentes. Alors lui, il est parti à perpète. Là par contre, je dois me méfier parce que il est dévié. Bon. Voilà. Voilà. Il y en a mis là pour pas que je passe. Voilà, je préfère me prendre. Ça me fait penser comme Sonic. Sonic, il utilise ça pourquoi? Pour se protéger. Et ils ont quand même fait un petit clin d'œil à Sega quand même. Le King Dog. C'est vrai qu'on a plus entendu parler de cette voix. Parce que. Allez, je prends la tête de la course, les mecs. Après le gameplay, ça va être pas grave. Hein. J'espère que le gameplay va être bien. C'est vrai que le plus difficile, c'est Oxide. Nitro Oxide. C'est le boss, le dernier boss final, le dernier boss ultra, pas pour pas ultra, le boss super fort. Thank you.
prochain gameplay, je vous dirai pas quel site est bloqué, et je vous dirai pas quel jeu sera. Par contre, mettez-moi en commentaire quel jeu vous voudrez voir pour le prochain gameplay. Donc en fait, c'est-à-dire que C'est vrai que c'est beau. Je crois même que Reaper Roux c'est un chien ou une hyène. Moi je dirais plus une hyène. Après. Donc là ça y est, c'était le dernier. Voilà, on a enfin terminé ce gameplay. Donc laissons parler Reaper Roux. Donc il m'a dit, prends cette clé, tu m'as battu en couture. Donc en fait, j'ai la clé pour ouvrir pour le prochain monde. Et par contre, le prochain monde, ça sera pour un prochain gameplay si jamais ça a vraiment réussi. Voilà. Si c'est vraiment réussi ce gameplay là. Et si je vois qu'il y a beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, je referai. Voilà les potes. Ouais, là il me dit à chaque fois que tu auras des clés tu pourras ouvrir des portes. Donc là voilà les potos. Les potos, j'espère que cette vidéo vous aura tous plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi les potos je vous dis à très vite pour un prochain gameplay sur un autre jeu de PlayStation. Allez, je vous dis tous ciao, abonnez-vous, likez, partagez un max. Gros bisous, ciao ciao.